c'est Virginie Saint-Cily. Je pars à l'aventure en Suisse avec des activités sportives uniques. Des sommets au lac, chaque région promet son lot de défis. Vous êtes prêts à me suivre? On y va. Bienvenue dans la région du Valais. Bonjour Elodie. Salut Virginie. Merci de me recevoir ici à Nanda. On va partir pour une petite marche. Alors on va rejoindre la dent de Nanda justement. C'est la petite croix que tu vois là-haut. Alors elle a l'air très loin quand même, on en a pour combien de temps? Non, 45 minutes de marche environ. Allez, on y va? On y va. En montagne, tu peux manger des fois des myrtilles. Puis en fait, pour savoir si c'est une myrtille, en fait, tu la prends, tu l'écrases, et tu vois là, c'est rien rouge. Donc ça, c'est bon, c'est une myrtille. Ok, c'est pas mal. Ça donne des forces pour la suite de la balade. Je crois qu'on en aura besoin là. Waouh. C'est pas mal, hein, tu es ici. D'ailleurs, on voit le Mont Blanc là. Incroyable. Bienvenue à la dent de Nanda. T'as toute la vallée du Rhône. C'est splendide. On redescend par là où on est arrivé ou pas du tout? Regarde la crête derrière toi. Eh ben c'est exactement là qu'on voit. Ah mais il y a un lac d'ailleurs. Ouais, c'est le barrage de Clezon. Avec son eau turquoise. Donc on n'a pas fini. On a une balade qui s'appelle le Nanda Trekking qui est sur 3 ou 4 jours. Tu fais en fait le tour de toute cette vallée et t'as des nuitées en cabane. Ok. Et là où on va manger, c'est une des cabanes en fait du Nanda Trekking. C'était une belle balade quand même. Là, j'ai envie de dire, après l'effort, le réconfort. Ouais, ça va faire du bien de manger un petit peu. Oui, et puis il faut que je reprenne des forces parce qu'après, on enchaîne avec une autre activité. Bonjour Lara. Salut. Bienvenue. Comment ça va? Merci. C'est bien. Ça va bien. Toi? Alors, on est où là? On est à Saskrund. Exactement, à Kreuzboden, et ici, c'est l'endroit où on va faire le VTT, on va au Pike Skills Park, et après, dans le Flow Trail. Get up on your feet, this is a shakedown. On a fait une petite route dans le Pike Skills Park, mais tu as la possibilité de descendre 1100-1600 mètres descente ici de Posas, là-bas, à Saskrund, à la village. C'est ce qu'on va faire? Non, on a à faire le Flow Trail, c'est fait pour faire aller à la station. Feet, this is a shakedown. Wow. On est descendu de combien de mètres là? 900 mètres environ et c'était un très beau trail, n'est-ce pas? C'était formidable. La prochaine fois, tu viens en France, c'est moi qui t'invite et on fait pareil. Super. Ok? Allez.